GTM's TV. Bienvenue ici au stade de l'Étoile pour cette rencontre de demi-finale qui va opposer Anfa City à l'Académie GFMS. Anfa City qui est en bleu contre l'Académie ici au stade. C'est une rencontre très, très importante parce qu'elle va définir le finaliste du championnat Challenge. Nous avons vu la première demi-finale qui s'est déroulée il y a quelques instants où l'équipe de la CAF a été battue par l'équipe de Stade Academy. Et le match va donc bientôt démarrer avec les deux équipes en place, d'un côté GFMS Academy et de l'autre côté Anfa Academy en vert. Le match est parti depuis environ une minute avec ce tir de Diaby. Je rappelle que dans le 11 de départ de GFMS Academy, nous avons Kwaku dans le but. À l'ars, c'est Ismaël et Magui. Sur le côté gauche, on a Ouattara. Et à droite, nous avons Mamadou. Le milieu de terrain sera donc composé de Diallo, de Boubacar Sidiki et puis Samassi, Kader, Diaby et puis Moussa vont donc composer le flanc offensif. Alors c'est parti avec l'équipe de Anfa Academy qui essaye d'amorcer une première attaque récupérée par Magui. Magui qui va jouer vers Samassi. Longue balle vers Moussa, mésentente avec Aboubakar Sidiki. C'est une récupération au milieu de terrain de Diallo. Encore cette balle qui revient en arrière. Avec Ismaël qui essaye d'avancer, Diallo. La joue vers Aboubakar Sidiki qui s'est très bien joué. Avec ce double contact qui lui a permis d'ouvrir l'espace et de trouver Ismaël qui va revenir vers Kwaku. Kwaku avec un long ballon en direction de Diaby. Dans les airs, la tête de la défense de l'équipe Anfa. Samassi. Et ça sera l'équipe de Anfa Academy Club. La touche est rapidement jouée. Remise. Et
l'arbitre qui va pas brancher du tout Moussa, qui va aller avec cette balle en décalage. Ça n'a pas été assez appuyé. Il va se rattraper peut-être cette fois-ci. Une autre mauvaise passe de Moussa. La défense de Anfa Academy qui s'en sort très bien. Ismaël qui va écarter cette fois-ci vers Ouattara. En 1-2 avec Kader, Magui. On se calme un tout petit peu. Moussa, belle balle vers Diaby qui va enfoncer une frappe. La toute première de la rencontre. Et le gardien de but était bien en place. Et dans cette relance, ça tombe directement dans les jambes de notre ami Magui. Et ça va faire une remise en jeu en faveur de Anfa Academy. Cette première rencontre qui vient de... Cette demi-finale qui vient de commencer. Toujours 0 but partout. Entre les deux équipes, alors que nous sommes pratiquement rendus à la cinquième minute de cette rencontre et que l'équipe de GFM Academy continue de dérouler. Attention à cette main qui se baladait un tout petit peu. Et ça va faire une remise, une récupération du gardien de but de l'équipe de Anfa. Oh, belle intervention Mamadou qui a surpris son vis-à-vis dans cette récupération de balle. Et ça va faire une touche pour l'Académie GFIEMS et Diallo qui revient avec Samassi. Diallo, il faut sortir de là, c'est bien fait. On écarte vers Ouattara. Il faut aérer au jeu, aérer au jeu. Magui qui prend quelques kilomètres, quelques mètres avec cette longue balle vers Ouattara. C'était bien joué. L'intention était plutôt bonne, mais malheureusement, Ouattara était très très loin pour pouvoir rattraper ce ballon. Ça va faire une remise en jeu en faveur de l'équipe de Anfa Academy. Tête de Ouattara dans les airs. Et récupération ici de Anfa Academy. Et ça va faire une remise en jeu nouvelle pour Académie du Fiens. On voit Kassidiki qui revient en arrière vers Magui. Magui pour Ismaël. Allez, il faut chercher sur les côtés Mamadou qui était monté. Alors que le banc de touche de GFM Academy lui rappelle de jouer tout à côté parce qu'il y avait Samassi qui était plutôt bien placé. Et c'était en première intention. Hein, c'était en première intention. Je rappelle que l'Académie GFM a éliminé en demi-finale. A gagné sa demi-finale sur le score de 4-0. Et ça va faire une tête de Mamadou, ça joue un peu dans les airs, le pied élevé. Et l'arbitre ne va pas du tout sanctionner. Ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas compris. Aboubakar Sidiki qui va chercher cette passe en profondeur vers Moussa. C'était très compliqué, mais je crois qu'il y avait une autre option de jouer sur le côté gauche avec Ouattara. Toujours Aboubakar Sidiki avec cette balle, Samassi qui va revenir vers Diallo. Ouattara qui manque son contrôle, mais il va se rattraper Ouattara. L'arbitre va laisser jouer cet avantage. Les Magui. Une, deux.
Ouattara. Mettre la balle sur le côté pour permettre, n'est-ce pas, à l'arbitre de voir un peu ce qui se passe avec le joueur de Sarcette de Anfa Academy. Le joueur s'est un tout petit peu relevé. Et le match va certainement repartir avec Magui vers Ismaël, Alax, Awaka Samassi. Et Diallo, cette fois-ci, qui va essayer d'écarter vers Kader. Kader qui va changer de côté. C'est cette fois-ci Ouattara. Encore Kader. Ça déroule. Ça déroule. Il va prendre 2-3 joueurs. Samassi, l'espace va être créé. Et Sidiki qui va armer une frappe pas du tout dangereuse. Et c'est la deuxième, hein, c'est la deuxième tentative du côté du James Academy dans cette rencontre. Alors que Kwaku participe aussi au jeu, dans le jeu. Il essaye, n'est-ce pas, de contribuer. Voilà, il joue carrément comme un libéro, hein, Kwaku, regardez sa position. Et là, il faut faire attention à cette récupération. Bien joué Diallo. Qui va écarter vers Ouattara. Il faut venir jouer. Il faut venir jouer et chercher des solutions. Attention, Samassi. Ouattara. Et le centre qui est mal dosé. La défense de Anfa. Bien positionné, en a profité. Et attention à ce rebond. Il faut dire que l'équipe de GFM Academy a souvent du mal à démarrer ses rencontres. Voilà, on a vu face en huitième de finale. Hein. C'est une équipe qui a quand même passé toute la première mi-temps 0-0 avec beaucoup de difficultés à aller marquer. Et c'est en deuxième mi-temps que l'équipe s'est déployée et a eu à marquer les deux buts qualificatifs pour les quarts. Le même scénario s'est reproduit la semaine dernière en quart de finale où l'équipe a fait toute une mi-temps 0-0. Et c'est en deuxième mi-temps que GFM's Academy a pris le dessus sur son adversaire pour finir 4-0. Et là, on va donc, n'est-ce pas, peut-être pas vivre la même situation aujourd'hui. Qui sait? Peut-être aussi une stratégie parce que l'équipe a toujours ce deuxième souffle qui leur permet, n'est-ce pas, qui permet aux joueurs de mieux terminer leur match. Attention à cette mauvaise passe. Hein. Samassi qui a mal protégé son ballon. Le 1-2 est parfait. L'arbitre va donc intervenir. Et calmer un peu les esprits parce que non seulement, oui, il y avait faute. Et l'arbitre a sifflé. Mais alors pourquoi est-ce que le joueur de Anfa s'en va encore vers l'arbitre pour lui parler? Je crois que l'arbitre avait déjà fait ce qu'il fallait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il allait vers le joueur pour dire ben, j'avais déjà sifflé, donc t'as pas besoin de venir mettre la pression. Et ça va faire un coup franc pour Anfa Academy, le coup franc dans les bras de Kwaku. Et l'arbitre va en même temps offrir un coup franc pour GFM's Academy. Longue balle vers Diaby. Qui a été retenu, hein, Diaby, avant cette action.
Et l'arbitre, qui a très bien jugé et géré l'action, va donner un coup franc pour Defiance Academy. Puisque Diaby a été bousculé par le dos. Ça fait un coup franc pour Defiance Academy. Et le coup franc va être joué en 2-3 temps. Avec ce relais, vers Diallo en position de défenseur central. Moussa est venu chercher avec Kader. Kader qui va garder le ballon, encore Moussa. Et l'arbitre ne va pas siffler cette main qui traînait devant la surface de réparation de Anfa Club, Anfa Academy. C'est toujours l'équipe de Defiance qui garde le ballon sur le cui. Décalage vers Magui. Samassi, encore Magui. Et ce décalage vers le côté droit. Abouaka Sidiki, c'est une belle balle vers Diaby. C'était l'une des premières occasions nettes de but. Malheureusement, la passe de Diaby était un tout petit peu en retrait, un peu plus en retrait d'ailleurs. Plus en retrait que possible. D'où cette perte de balle dans la surface de réparation. Et ça va directement permettre, n'est-ce pas, aux deux équipes de rester à 0 but partout. Tout simplement. 15 minutes de jeu. Toujours 0-0. Et Diaby qui va donc encore jouer ce ballon qui n'est pas sorti. Heureusement, si. L'arbitre va intervenir. Il est allé un peu plus vite Ouattara. Et Diaby qui avait déjà en première intention essayé de jouer sa passe. Récupération de Diallo. Magui. Diallo qui manque sa passe. Ça joue dans les airs. Encore Diallo qui intervient. Kader, Waka Sidiki, décalage vers Moussa qui est soutenu par Mamadou en 1-2. Ça passe avec Samassi. Il a compliqué son geste, Samassi qui n'était pas en position d'hors-jeu. Et ça combine encore une fois. Defiance Academy. Et Diaby. Samassi. On revient pour Mamadou qui va décaler vers Samassi. Le ballon va sortir en touche et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de Anfa Academy. Attention avec toujours ce score de 0-8 partout. Diaby il pèse sur cette défense. Enfin, mais n'a pas encore trouvé la position parfaite pour aller faire mal. Lui qui a toujours été décisif, Diaby. Attention, Kader. Je l'ai dit, Diaby a toujours été décisif parce que lors des huitièmes de finale, il a été buteur, double buteur d'ailleurs, double buteur, c'est les deux buts. Il était auteur. Lors des quarts de finale, il a été également double buteur. Attention à cette balle vers Moussa qui va jouer vers Diaby.
c'était bien combiné, sauf que attention, laissez pas finir. Aboubakar Sidiki qui va prendre un des joueurs. Corner. Corner. Donc aujourd'hui, on aimerait encore voir marquer Diaby, qui revient d'ailleurs d'une maladie. Et ça va faire un corner, hein, un corner pour Moussa. Et Difiems Academy. Le corner est entrant. Le gardien de but qui va la boxer. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Ouattara? Et ça va aller en contre. Bon retour. Bon retour de Ismaël. Et Magui va tranquillement récupérer ce ballon avec Kader. Attention à cette balle en profondeur vers Sidiki. Mais c'était très très profond. Le gardien bien en place a tranquillement lu le jeu et récupéré le cuir. Ça joue dans les airs avec ce duel, un deuxième duel, et Magui qui l'emporte. Moussa et son pied gauche qui va changer de côté vers Ouattara. C'était lisible, c'était lisible. Il fallait changer d'idée parce que le joueur avait déjà compris que ça devait jouer ainsi. Diaby, but! Non! Quel réflexe du gardien! C'est pas fini! Un but à zéro! Ouverture du score pour Difiems Academy. Pratiquement à la. Voilà, à la 20e minute, hein, 21e minute de jeu. C'est Aboubakar Sidiki qui est donc récompensé par ses efforts et qui mène donc désormais un but. Les vieux sont en train de gagner. Un but à zéro pour Difiems Academy qui ouvre donc le score. Ça va donc, n'est-ce pas, être une belle récompense pour l'équipe de Difiems Academy qui ouvre le score. On l'a dit, hein, d'habitude, ça jouait souvent en deuxième mi-temps. Mais là, c'est très très tôt qu'ils ont ouvert le score, hein, pratiquement en première mi-temps. On a vu une équipe totalement impuissante depuis le début de la rencontre de Anfa. Et ça va faire une touche, ça va faire une touche en faveur de Anfa Academy. L'arbitre qui va donc placer le joueur pour lui permettre, n'est-ce pas, de mieux gérer cette touche. La touche est parfaite. Tête de Kader et Magui à nouveau. La défense va se dégager avec Diallo qui va chercher Moussa. Ça va jouer vers Aboubakar Sidiki, le buteur. Aboubakar Sidiki en longue balle vers Moussa qui va entrer dans la surface de réparation. Moussa, que va-t-il faire Moussa? Le centre de Moussa. Ils ont été pris totalement de court. Ça manquait aussi un peu de lecture et de promptitude de la part de voilà, des deux attaquants qui ont fait, je veux dire, le même appel. Hein, parce que lorsque Moussa a pu déborder sur le côté, je pense que Aboubakar Sidiki et Diaby ont fait le même appel. Et c'est ça qui a un tout petit peu désarçé l'action. Parce que normalement, on sait très bien qu'il y a, quand il y a deux attaquants dans la surface de pression, l'un va au premier poteau et le deuxième reste en retrait. Les enfants n'ont pas été très lucides sur ce point-là. Mais bon,
que prochainement, certainement, ça va s'arranger. Allez. Enfa Academy, ça manque un peu d'idées, ça manque de, je dirais, de génie. Et ça va aller en 1-2 avec Moussa. Moussa qui va entrer tout seul. Et cette récupération, non, le pied élevé. Le pied élevé, monsieur Bradiki. Même si il n'a pas touché l'adversaire, voilà, l'arbitre estime que le pied était un peu plus haut. Je rappelle le score 1-0 et Difiams Academy qui a pour le moment un pied en finale. Et on connaît déjà le premier finaliste de ce tournoi challenge. C'est l'Académie Sétat qui a battu 5-0 la CAF. L'Académie Sétat qui a battu 5-0 CAF lors de la première demi-finale. Et là, c'est donc le tout premier corner pour l'équipe de Anfa Academy. Donc on verra donc qui de Anfa Academy et de Difiams Academy ira en finale. On le saura tout à l'heure avec ce corner. La tête de Diallo. Il a hésité Samassi. Récupération de Moussa. Le buteur Aboubakar Sidiki qui a joué avec Samassi, qui touche beaucoup de ballons, Samassi. Comme ça, le petit pont n'est pas passé. Il peut se permettre de faire ce qu'il veut du ballon, Moussa. C'est le leader technique. Attention! Cette passe millimétrée qui n'a pas, n'est-ce pas, pris la destination, la bonne destination. Heureusement, il était vigilant, le défenseur. Et Moussa qui va aller tout seul. Moussa, il entre dans la surface de réparation. Le retour. Wow! Quel génie, quelle inspiration de Moussa. Mais quelle inspiration, mais qu'est-ce qui nous a fait Moussa dans cette action? Mais quel génie! Il a compris qu'il ne pouvait pas aller tout seul et que derrière il y avait probablement deux coéquipiers qui suivaient l'action. Et Kader, mais quel plat du pied! Mais quel plat du pied! Ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Je manque de mots pour qualifier cette action et cette phase de jeu. 2-0 pour Difiams Academy. Et le deuxième but magnifique de Kader. Ah ouais, il faut le faire, il faut l'applaudir. Allez, Samassi. Qui va contrôler le jeu. Et le ballon va sortir. Le ballon va sortir pour l'équipe de Anfa Academy. Oh, ils vont essayer de mettre un peu plus d'impact dans le jeu, les jeux de Anfa. Allez, Kader qui va aller tout seul. Kader, Diaby qui a décroché. Le décalage vers Samassi. Il va jouer ce ballon vers Kader. La frappe de Diaby. Ouh, comme ça vient. Oui, comme ça vient, il a faim, Diaby, il a faim, il veut absolument participer à la fête. Et pourquoi pas, il a 4 buts en 2 matchs, Diaby. Donc c'est le déclencheur de cette équipe sur le plan offensif parce qu'il marque presque à tous les matchs. Et quand c'est pas un triplé, c'est un doublé. Il a envie,
Et la fin. Allez, c'est parti. Kader, Moussa, ça joue dans un tout souris avec Abaka Sidiki, cette belle balle vibrante. Ouattara, hors jeu. Hors jeu. Hors jeu, il est parti un peu trop tôt au Ouattara sur cette action. Et il peut revenir se repositionner, Ouattara, au petit trot, pour venir souffler. Derrière cet effort qu'il a fourni pour aller jouer ce ballon dans la surface de réparation de Anfa Academy. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on leur demande, ces jeunes académiciens, surtout les latéraux, voilà, ou les arrières, si vous voulez, les arrières défensifs. Absolument être offensif, participer au jeu, aller mettre un peu plus du surnombre dans la surface des réparations pour permettre, n'est-ce pas, aux actions d'aller jusqu'à leur terme. Et c'est ce que Ouattara a compris. C'est vrai que Mamadou du côté droit, mais c'est vrai, on n'a pas encore vu Mamadou à l'œuvre depuis le début de la rencontre. Peut-être encore ça viendra. Mais Ouattara l'a déjà fait plus d'une fois. Il s'est retrouvé dans la surface de réparation de l'équipe de Anfa Academy. Et regardez, regardez sa position. Regardez, voilà. Ouattara qui va venir tranquillement, tranquillement fermer à l'arc. Et oui. Bien joué Ismaël, tête de la défense, Diaby et Samassi, il faut se parler, Samassi qui va entrer dans la surface de réparation, oui il est entré dans la surface, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corner, ça pousse, ça continue de pousser, il faut aller chercher le troisième but. Tu es totalement le match. Allez, Moussa qui va essayer cette balle. Ouh, belle prise de balle du gardien de but. On a failli assister à ce que Saka a fait hier avec l'équipe d'Angleterre. Ouattara, je l'ai dit, monte très vite. Il va très vite sur le côté, monte beaucoup. Sur ses actions, ça va faire une autre touche en faveur de Duchamp's Academy, pendant que on remarque beaucoup de mouvements sur le banc de touche de Anfa Academy avec quelques remplacements qui se font signaler et que nous sommes pratiquement à la 33e minute de jeu. Un joueur de Anfa Academy au sol. Peut-être le 7 de tout à l'heure, peut-être lui. Non, c'est pas lui, c'est le Dossard 3, c'est un autre joueur qui s'est fait mal certainement. Cette action qui a offert une touche pour Duchamp's Academy, Samassi. Il va jouer en retrait vers Magui. Décalage. Aboubakar Sidiki. Personne n'est parti. Et ils vont offrir encore une autre occasion à Duchamp's Academy, les joueurs de Anfa. Le dégagement est contré. Ouattara qui va mettre dans la surface des réparations. Prise de balle en deux temps du gardien de but de Anfa qui se dégage aussitôt. 1-1 avec le 10. Que va-t-il faire? Il va décaler maintenant vers le Dossard 18 qui va aller dans la surface de réparation. Rien à signaler. Rien à signaler. C'était très intelligent et surtout sans faute. Tête de la défense de Anfa. Récupération de Kader, l'auteur du deuxième but. Il n'y a pas hors-jeu. L'arbitre va laisser jouer cette action et cette frappe. La défense de Duchamp's Academy va donc se dégager. Et là, c'est Kwaku qui a, n'est-ce pas, carrément sauver l'équipe. Attention.
qui a sorti cette action. L'arbitre va plutôt parler au défenseur, mais je pense que ça va aller en carton jaune quand même. Mais c'est aussi ça la pédagogie dans l'arbitrage. Avertissement 2 à 0 pour Defiance Academy. Assister à la réduction du score des joueurs de Anfa Academy sur cette action. Heureusement que Kwaku est resté concentré. Et les coups francs pour Defiance Academy avec Ouattara qui met le ballon dans la surface de réparation, tête de la défense de Anfa. Abaka Sidiki, l'arbitre ne dit rien. Peut-être qu'il a laissé l'avantage. Il faut mettre ce ballon de côté. Il faut mettre le ballon à côté. Qui va se relever très bien. Ouattara qui va prendre son couloir gauche, le centre est un tout petit peu profond et manqué même à la limite. Mais c'est déjà excellent ce qu'il fait, comme je l'ai dit. Hein, il n'arrête pas de monter, de prendre des initiatives, d'aller créer le surnombre en attaque. Engagement du gardien de but de Anfa Academy. Allez, belle déviation hein, de Diaby. Le ballon va sortir en touche. Mamadou qui récupère le cuir. Samassi, ils sont sur toutes les balles. Ils sont sur toutes les balles, les joueurs de Defiance Academy. Diallo et Babacar Sidiki qui a tenté de prendre des vitesses sur un vis-à-vis. Belle récupération hein, de cette équipe de Anfa, mais pas pour longtemps. Defiance Academy va se remettre dans le sens du jeu. Et Kader qui préfère revenir en arrière avec Ismaël qui demande de décrocher. Moussa, belle protection de balle vers Samassi, ça va aller vite maintenant avec ce ballon en décalage vers Moussa qui va tenter une frappe repoussée par le gardien de but de Anfa et ça va faire une autre touche pour l'équipe de Defiance Academy qui mène au score à pratiquement 4 minutes ou 3 minutes comme ça de la fin de cette première mi-temps. Il n'y a pas hors-jeu. Et si monsieur l'arbitre, le Kader qui va trop croiser sa frappe. Mais c'était bien essayé, c'était bien tenté. L'inspiration et l'envie, hein. Je pense que le geste était celui qu'il fallait. Sauf qu'il fallait maintenant essayer d'être précis. Attention à ce pied levé. Finalement, il n'y a pas danger. Hein. Il n'y a pas danger. Ouattara qui va récupérer ce ballon. Un contre un. Il faut du soutien. Il faut du soutien. Allez l'aider. Voilà, c'est Kader qui se présente et qui va donc faire cette passe vers Moussa. Que va-t-il faire? Moussa, il va entrer dans la surface de réparation. La frappe! C'est pas passé loin. Ah, c'était même pas une frappe parce que c'était tout simplement un ballon placé avec son pied gauche. Et ça rase le poteau gauche du gardien de but de Anfa. C'était très bien joué, magnifique. Allez, Anfa qui va essayer, pourquoi pas, d'aller pour une première fois tenter de créer le danger dans le camp de l'Académie du Defiance.
Et cette frappe pour surprendre Kwaku n'a finalement pas fait mal. Allez Diaby, que va-t-il faire? Il va aller tout seul. Il va aller tout seul. Diaby, la passe vers Moussa. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, Diaby. Allez Moussa. Et ça joue avec Samassi, Diaby. En une touche, on va écarter vers Ouattara, le centre de Ouattara, qui va retrouver Aboubakar Sidi, qui on va laisser passer pour Moussa. Le Moussa qui va... Oh! Il va sortir Kwaku. Et ça va faire un but. Ça va faire un but. Ça va faire un but. En faveur de Anfa Academy, mauvais alignement de Anfa Academy à pratiquement 2 minutes de la fin du match. Et ça fait 2-1. 2-1 dans cette rencontre. C'était une petite erreur d'appréciation des joueurs de Diffiams Academy. C'est pour ça que la défense était très 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 mal alignée. Monsieur Diaby, monsieur Ismaël et Magui qui doivent parler, qui doivent se parler et toujours s'aligner de la plus belle des manières. Restez concentrés surtout. Allez, Ouattara, long ballon vers Aboubakar Sidiki. L'arbitre va laisser le jeu se poursuivre. Diaby qui tente d'écarter. Donc, ballon vers Diaby qui se bat comme il peut. Récupération Didier Sardis qui va perdre ce ballon. Ouattara qui veut prendre de vitesse son vis-à-vis. Et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de Diffiams Academy qui va rapidement se remettre dans le sens du jeu. Et il faut faire attention. Il faut faire attention à cette équipe de Anfa Academy qui veut absolument refaire son retard. Diaby, pardon Magui. Samassi qui va aller tout seul avec cette balle vers Kader et la frappe. Oh, de Diaby qui est sifflé, hein, qui est signalé position de jeu. Et ça va faire un coup franc. Accélérez les gars, rapidement. Allez, Kader. 1-2. Récupération de Kader, hein, qui a eu un contre favorable. Et la défense de Anfa Academy qui se dégage comme elle peut. Et ça va faire une remise en jeu. L'assistant qui signale que la remise en jeu était mal effectuée. Ça va donc être un ballon qui revient là à l'équipe de Anfa Academy qui veut absolument refaire son retard. Attention, attention! Ils mettent un peu plus d'impact physique. Samassi. Samassi qui va aller tout seul. Il va entrer dans la surface d'impression. Et ça va faire un corner. Corner pour Diffiams Academy. Les auteurs du but, des buts, hein, c'est Aboubakar Sidiki
et Kader. Allez, le coup franc, le corner, le pied gauche d'Aboubakar Sidiki, tête de la défense de Anfa. Il faut aller dans les airs, il faut aller dans les airs. Encore les joueurs de... Bien joué pour Ismaël qui ne prend pas de risque et qui met tranquillement le ballon à côté. Moussa qui est passé, il est passé entre quatre joueurs et il veut cette passe vers Diaby. Qui a manqué, n'est-ce pas, le cadre. Assister là hein, à une phase de jeu un tout petit peu confuse dans la défense de Jiffyams Academy. Heureusement, ils s'en sont bien sortis. Il faut calmer le jeu avec... Attention à ces balles de Kader qui entrent dans la surface des réparations. Le centre pour personne, sinon Samassi... Et là pour la récupérer, l'arbitre va intervenir pour une soi-disant faute hein, de Samedi. Attention à ce contre avec l'équipe de Anfa qui va aller dans la surface de réparation. Il se met les pédales. Il se met les pédales. Ali Diallo qui va donc récupérer ce ballon pour Ouattara. Et Moussa, au milieu du terrain, perte de balle de Moussa. Encore Moussa, le petit pont n'est pas passé. Kwaku, long ballon. La défense de Anfa qui se dégage. Belle récupération de notre ami Samassi. Et le ballon va encore être récupéré par Jiffyams Academy et Diallo. Attention, la touche contre Jiffyams Academy, oui, elle a été contrée. Sans faute, sans faute. Belle récupération là avec Moussa. Oh là là. Qui a marché sur le cuir. Et ça passe vers. Diaby n'est pas passé. Ça va faire un coup franc pour l'équipe de Anfa. Le retour. Il faut se remettre dans le jeu. Il faut se remettre dans le jeu et chercher ce troisième but hein, pour reprendre un avantage considérable, autant pour moi. Fin de la première mi-temps. 2 pour Jiffyams Academy et 1 pour Anfa Academy. Le match qui semble un tout petit peu important. On revient tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Hein. À tout à l'heure. Alors, on va donc repartir pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale entre Jiffyams Academy et Anfa Academy. Le score est toujours de 2 buts à 1, alors que Anfa Academy repart. Et très très vite, l'égalisation de cette équipe de Anfa Academy, mais quel but magistral!
c'était magnifique et fantastique. C'est parti hein, très très vite dans cette deuxième mi-temps, la 30e seconde, la deuxième ou la première minute pour cette égalisation. Deux buts partout, le match est totalement relancé ici hein, au stade de l'Étoile. Deux pour Diffiams Academy, deux pour Enfa Academy. On va assister à une belle demi-finale. Moussa qui va bénéficier d'un coup franc. Il faut se calmer. Il faut se calmer maintenant. On va assister à tout un autre match hein, là. Et j'ai l'impression que l'équipe de Diffiams Academy. Attention à Diaby. Pourquoi il n'a pas essayé Diallo? Il fallait regarder la position du gardien. Ça va aller encore vite. Diallo va donc écopé d'un carton jaune. Il faut qu'il se calme. Les joueurs de Diffiams Academy, là, le match va certainement prendre toute une autre tournure. Et j'ai l'impression que les joueurs de Diffiams Academy joue un peu plus facile. Hein. Il joue un peu plus facile. Il faut se remettre dans le jeu. Il faut absolument prendre au sérieux cet adversaire. Ouattara. Et le ballon va sortir en touche. Au profit de Enfa Academy, ça joue un peu plus facile, hein, dans la facilité, on a l'impression, on a vu en première mi-temps avec Moussa, qui a fait un peu plus de spectacle que du jeu franc, et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi lui parler. Il faut lui demander à un moment donné d'être un peu plus décisif, un peu plus concret dans ses actions, surtout que le match n'est pas plié. Bon, quand le match est plié, là, on peut se permettre de s'amuser, de faire un certain nombre de choses. Mais en première mi-temps, on a quand même vu Moussa qui a manqué beaucoup de passes et qui n'a pas été décisif sur un certain nombre de choses. Mais j'espère que l'entraîneur a relevé cela et a dû, n'est-ce pas, du démon à Wakasiki. Et cette balle vers Moussa. Et but. C'est complètement manqué hein, cette balle de Moussa dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure. Oui, on voit l'équipe de Enfa Academy totalement remobilisée, remotivée. Et on aura pratiquement les 40 prochaines minutes qui vont être très très décisives pour les deux équipes. Que ce soit pour Diffiams Academy comme pour Enfa Academy. Mais quel but on a eu face à deux excellents buts de dans cette rencontre. D'abord, le deuxième but de Diffiams Academy inscrit par Kader, qui a été magnifique en pleine lucarne du plat du pied. Et le deuxième but de Enfa Academy, qui a été également une frappe en plat du pied. Hors jeu de Yaya. Il faut revenir dans le match, absolument. Et surtout ne pas paniquer, rester lucide, concentré également. Oh,
c'est toujours comme ça quand une équipe est menée 2-0. Il suffit qu'elle enlève un but. Elle devient motivée, se remet dans le match et peut absolument, hein, absolument changer les choses. Deux buts partout, alors que Silla va certainement s'apprêter à entrer. Ouattara qui va se dégager. Attention à cette balle, Yaya qui va perdre le ballon, et mais il va quand même gagner une touche. Yaya rapidement joué, et Moussa qui va essayer d'aller tout seul. Moussa, bon retour de la défense de Enfa. Abaka Sidiki, c'était bien joué vers Ouattara. Abaka Sidiki, la frappe repoussée. Il a une belle frappe, hein, Abaka Sidiki. Il a déjà démontré à 2 à 3 reprises. Défense de Fa et Ouattara, Ozialo qui défend bien. Récupération de Amfa qui va essayer de repartir avec cette balle. Retour de Kader. Il se bat bien, ça va si. Et le ballon va sortir en touche pour Defiance Academy. Kader. Prochaine touche pour Defiance Academy. Ah oui, ils ont cueilli, hein, l'équipe de Defiance Academy à froid avec ce but rapidement marqué. Mamadou. Magui. Diaby. Sidiki. Frappe écrasée. Et le gardien qui relance aussitôt. Magui, c'est bon. Magui, c'est bon. Retour tardif de Ouattara. Et le ballon va sortir en touche. Pendant que un remplacement va être opéré et on va revenir à une défense à 3 avec la sortie de Mamadou. Défense à 3 donc, hein, avec Magui, Ismaël et Diallo. Kader va descendre encore un peu plus bas, va jouer devant le passeur. Moussa va venir dans l'entrejeu, accompagné d'Aboubaka Sidiki. Et de Samassi. Et en attaque, on aura donc Diaby et... Et Silla qui vient de faire son entrée. Attention à ce rebond, tête de récupération de Moussa qui va relancer très vite. Diaby, il peut aller tout seul, Diaby. Mauvaise passe de Diaby, hein. Ça manquait un peu d'inspiration. Récupération de Moussa. Il va jouer directement vers Diaby, Diaby, Silla, Silla, Diaby. Ça joue avec Samassi. Le ballon allait un peu plus vite que le joueur et ça manquait de présence aussi, hein, parce que
Aboubakar Sidiki est arrivé en retard sur cette action. Allez, long dégagement du gardien de but, hein, pour ses 5 mètres, 50. Et c'est Magui qui va récupérer son ballon, chercher cela. Et ça va faire une touche en faveur de Jim's Academy, alors qu'un remplacement, un autre remplacement est en train de s'opérer. Je pense pas pour le moment. Pas pour le moment. On va donc jouer la touche avec Diallo. De cuir dans le jeu, donc on va refaire cette touche que Moussa va exécuter. Aboubakar Sidiki avec Kader, ça ne passe pas. Dégagement. Et le ballon va sortir. Attention, attention à ce match qui risque de se compliquer. Si Defiance Academy ne change pas, je dirais sa manière de jouer, Aboubakar Sidiki qui se mêle un peu les pinceaux. Toujours ce contre favorable pour Defiance Academy. Le ballon dans la surface, tête de la défense d'Anfa. Samassi va donc revenir. Et Ouattara sera battu. Magui qui va aller tout seul. Attention à ces balles, hein. Attention à ces balles qui traînent dans la surface des réparations. Avec Diaby qui manque son contrôle, mais l'appel était bon. L'alignement défensif, il faut faire attention. L'arbitre qui va intervenir. Il faut être calme, il faut être calme, ça fait 10 minutes de jeu déjà. Au centre. Et long dégagement. Encore la défense de Defiance Academy qui récupère le cuir. Il faut parler. Magui, il faut la mettre au sol. Il faut la mettre au sol. Bien joué. Avec cette balle vers Moussa. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. 5 m50 pour Anfa Academy. Qui pour le moment fait une très très belle affaire. Équipe. Mais en difficulté l'équipe de Defiance qui, je veux le dire, hein, joue aussi avec un tout petit peu de suffisance. Parce qu'il y a eu le temps en première mi-temps de tuer totalement ce match et de ne pas se mettre en danger. Bon, ils ont les capacités d'aller marquer ce troisième but, sauf qu'il faut rester lucide et surtout concentré. Par faute, sans faute. Récupération de Diaby, le ballon ne passe pas. Ils sont très très fermés. Ils ont fermé la charnière centrale, les joueurs de Anfa City, Anfa Club. Très présent, hein, dans les duels. Très présent dans les duels. Attention à cette boude. Heureusement, le gardien est présent. Un bon gardien dans l'ensemble, le gardien de Anfa. Attention à cette glissade de sans faute, sans faute. Troisième but. Troisième but de Anfa. Avec cette glissade
sur le côté de... Ah ouais, Difiems Academy paye un peu les frais de cette négligence. Ça fait donc 3-2 pour l'équipe de Anfa Club qui est revenu dans le match. Ah oui, là ça va sans mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour Difiems Academy qui est rarement, cette équipe a été menée au score. Kassitiki. Avec Abbas qui vient de faire son entrée à la place de... Il entre à la place de Samassi. Et s'il a manqué son contrôle, attention, 15e minute de jeu. 15e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il y a encore 30 minutes à aller chercher. 30 minutes. Surtout, toujours cette glissade. Toujours cette glissade. Allez. La frappe de Moussa qui va donc... ouais, ils perdent le temps maintenant. Ils vont jouer sur le temps les jours de Anfa, cette bonne guerre. Cette bonne guerre, l'équipe est revenue de très loin. Long dégagement. Tête de Diallo. Récupération de Magui. Ouattara. Kader. Et Moussa qui a été pris, il manque plusieurs fois sa passe, hein, Moussa. Le gardien de but de Anfa qui va donc se dégager. Récupération Aboubakar Sidiki. Il cherche un joueur déplacé. Abbas qui a fait son entrée il y a juste quelques minutes. Ouattara. Le centre dans la surface des réparations. Et c'est là qui se loupe un peu. Allez, bien joué Magui. Et c'est là qui va essayer de mettre le corps en opposition et ça va faire un corner pour Difiems Academy. Il faut aller chercher cette égalisation. Et surtout très vite. Le ballon qui traîne dans la surface des réparations. Et ça va faire un nouveau corner. Faut toujours surtout rester calme. Moussa, le ballon prise en deux temps par l'équipe, le gardien de but de Anfa, mauvais dégagement. Récupération de Magui. Faut presser, faut presser. Allez plus vite. Belle récupération sans faute. Avec Abbas. Deux fois contré. Il n'y a pas faute. Décalage vers Diaby qui va essayer d'entrer dans la surface des réparations et contrer. Ça va faire un autre corner en faveur de Difiems Academy. Le corner est frappé dans la surface des réparations. Personne à la retombée. Deux fois. Et c'est Moussa qui va récupérer ce ballon. Faute de main. Rapidement joué avec Abbas. Qui a tenté une frappe. Diallo. Ils se sont mis en danger.
se sont mis en difficulté les joueurs de GFM's Academy parce que, je l'ai dit, il ne fallait pas tomber dans la facilité en début de rencontre. En menant 2-0, ils ont cru que le plus dur était fait. Il y a eu beaucoup de relâchement. Et à ce niveau, il faut aller chercher dans les ressources, il faut aller puiser, n'est-ce pas, à l'intérieur. But. Égalisation. Le GFM's Academy. Avec. Le deuxième but hein, de Aboubakar Siddiqui. Il y a du temps, nous sommes pratiquement rendus à la 20e minute. Et tout un autre match maintenant va se jouer. Il faut aller chercher le 4e but. Bien joué Abbas. Magui. Abbas. Aboubakar Siddiqui. Moussa. Ce ballon en cloche. Il faut rester concentré. Et faire très attention. Le retour, monsieur Ouattara. Le retour. Position d'enjeu. Signalé. Position d'enjeu signalée. Il faut jouer vite. Diallo. Allez, ça repart avec Ismaël. Décalage. Qui va essayer d'aller comme tout à l'heure et jouer ce petit ballon vers Moussa, le centre de Moussa, sauvé in extremis par le défenseur de Anfa, le corner de Moussa, la tête Diaby. Manqué, tête de Diaby manquée totalement hein, et puis ça va faire une touche pour l'équipe de Anfa. Il s'est écroulé tout seul, il n'y a pas faute. Attention à base, cette perte de balle, récupération de la vie. Le ballon, merci là. Il a très vite joué Magui, il y avait le temps hein, de se calmer. Et ça va repartir avec Anfa. Avec cette position d'enjeu du capitaine de Anfa. Magui, faut pas te fatiguer, faut récupérer. Pour rapidement revenir dans le jeu. Allez, il faut aller chercher ce 4e but. Le deuxième souffle est là pour ça. Et c'est ce que Kader essaye de faire. Faute pour GFM's Academy. Et l'arbitre intervient. Il y a des ressources, il y a de la ressource. Il y a de la ressource dans cette équipe de GFM's Academy. Il faut que les jeunes se remettent. Et surtout, restent calmes et concentrés.
C'est Ouattara qui va jouer ce coup franc avec son pied gauche. Il faut surtout pas faire de faute dans la surface de réparation. Et le centre de Ouattara avec Silla. La remise de Silla a manqué de précision. La défense de Anfa s'est donc rapidement dégagée. On joue dans le camp d'Anfa. Ils sont totalement. Ils ont reculé. Diaby. La frappe de Diaby. Il va passer à côté. Des buts du gardien de but de Anfa Academy. Long dégagement. Il faut la jouer à la retombée. Il faut la jouer. Il ne faut pas la laisser tomber cette balle. Diallo. Bekader qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Abbas. Omar Kassidiki. Il se met dans le pied. Et qui a manqué de précision hein, sur cette dernière passe. Omar Kassidiki qui monte au duel. Déviation de Silla. Hors jeu de Silla. Qui était au duel. Ça va donc permettre à l'équipe d'Anfa de se relancer. Belle récupération de Kader. Quel poumon, qu'est-ce qu'il bosse? Il travaille beaucoup ce garçon. La frappe de Kader, repoussée par le gardien de but. Et Moussa va être à la retombée pour essayer de partir à 1 contre 1. Et corner. C'était très bien joué Kader. Quelle énergie il dégage dans cette rencontre, cette deuxième mi-temps. Abaka Sidiki qui est parti tout seul. Récupération. La frappe d'Abaka Sidiki qui était sur le gardien de but. Attention. Jouer la couverture, bien joué. Ismaël. L'OTAN est chercher ce quatrième. Après au niveau. Faut pas se fatiguer. Attention à cette balle, il n'est pas hors jeu. Si là, il faut entrer dans la surface des réparations. Oh. Chercher la lucarne. Boussa. Et c'est pas passé. Il y a encore 15 minutes à jouer. Donc. Il faut absolument se calmer. Ça commence à peser. Les jambes commencent à être lourdes. Mais il faut tenir parce que l'objectif n'est pas encore atteint. 3 buts partout dans cette rencontre. Quelle demi-finale. Tête de Ismaël. Il est encore. Attention à cette balle vers. Moussa. Il va marquer. L'arbitre qui va regarder le cas Moussa. Je crois que le gardien de but l'a complètement percuté. Et il y a encore 15 minutes hein, dans cette rencontre. Il faut tout donner, il faut tout mettre pour aller inscrire ce quatrième but et éviter la phase des tirs au but qui, pour ma part, hein, peut être pour profiter à cette équipe de Anfa Academy parce qu'ils ont
des bons tireurs, ils ont des joueurs qui ont un bon coup de pied, ils ont un bon gardien aussi, hein, qui peut leur être très utile, sa taille et aussi sa main ferme, parce qu'il a enrayé pas mal d'occasions durant cette rencontre. Je crois que les joueurs de Defiance Academy sont assez conscients pour ne pas en arriver là et essayer de tuer ce match le plus tôt possible. Ça a été percuté, hein, dans cette action. Et l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas faute. Malheureusement, il n'y a pas de VAR, hein, pour intervenir et aider l'arbitre. Ça va donc faire un 5,50 m pour l'académie de Anfa, Kader Diaby, qui va aller tout seul. Diaby, il va entrer dans la surface, le centre et un autre corner. Un autre corner, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça va faire un corner, un autre corner pour l'équipe de Defiance Academy, ça fait beaucoup. Donc ça qui va revenir dans le jeu, mais il boitille un tout petit peu. Il va mettre ses ballons dans la surface des réparations. Le gardien de but ne va pas saisir le cuir et va repousser le ballon. La défense de Anfa se dégage. Abbas. Très très mal joué. Moussane qui continue de boiter. Je pense que il sera plutôt nécessaire de le sortir, Moussa. Et de faire entrer Namori. Qui est encore. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Si. Je pense qu'il sera nécessaire de remplacer Moussa et de faire entrer Namori. Qui est une option. Hein. Il est une option pour cette équipe. Et pourquoi pas faire monter Kader. Allez. On va casser Ziki. C'est ça, Moussa va sortir. C'est plutôt voilà, Moussa qui va sortir. Je pense que le remplacement est acté. Le choc était violent, très très violent. Le gardien n'a pratiquement pas joué le ballon, hein, dans cette action. Il n'a pratiquement pas joué le ballon. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'est pas venu au moins mettre un coup franc sur cette action. Long dégagement du gardien de but. Ça va jouer dans les ailes. La défense de Anfa qui tient le coup. Diaby, dribble manqué, Aboubakar Siziki, qui peut faire la différence. Il peut faire la différence, Aboubakar Siziki. Qu'est-ce qu'il a joué? Qu'est-ce qu'il a joué à Abbas? Qu'est-ce qu'il a joué? Récupération de Diaby avec Magui. Qui va prendre du temps et le but. Et le but hors jeu. C'est à revoir. C'est à revoir.
penser à revoir cette action, je ne pense pas qu'il y a eu hors-jeu. Je ne pense pas qu'il y a eu hors-jeu. Dix minutes à jouer. Je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu sur cette action. Je pense que on pourra la revoir. Hein. Allez, tête de la défense de Diffiams Academy. Il faut rester concentré. Il faut se mettre en danger. Il faut se mettre en danger les joueurs de Diffiams Academy. Kwaku. Qui va aussitôt relancer le jeu. La récupération de Diallo avec Ovaka Siziki. Bien joué vers la base. Désespération. But de Diffiams Academy. But de Diffiams Academy. Quatrième but. Quatrième but de Diffiams Academy, enfin. Quatrième but de Diffiams Academy. Oui, ça conteste. Hein. Le but est contesté par les joueurs de Anfa Academy. Carton jaune au capitaine de Anfa Academy. Les joueurs contestent ce but qui est totalement valable, valide. Et c'est ça, il fallait absolument aller marquer ce but. Voilà donc 4 buts à 3. Diffiams Academy reprend l'avantage dans cette rencontre. Diffiams Academy reprend l'avantage et ça continue de chauffer. Ça continue de chauffer entre les joueurs de Anfa Academy et l'arbitre. Il a fallu. Allez, c'est parti. Le match n'est pas fini. Avec l'équipe de Anfa qui peut encore créer des difficultés à Diffiams Academy. Et c'est parti, il faut se remettre dans le jeu. Kader qui ne sait pas comment Lyon il est passé, le joueur de Anfa. Prochain. Pas de faute sur cette action. Ça va être une remise en jeu pour l'équipe de Anfa. Il a chassé le ballon, le dégagement. Sylla. C'est la pression. Et la récupération. Faute en faveur de Anfa Academy. Le match s'emballe, hein. Le match s'emballe, vous pouvez le remarquer et comprendre. Diaby qui essaye de changer n'est-ce pas le jeu et Abbas va contrer cette offensive de Anfa Academy. Ça va faire une touche pour Anfa Academy.
c'est le gardien de but qui va donc procéder à cette relance. Tête de Ouattara, récupération de Ismaël qui va écarter vers Diaby. Abbas, le ballon ne passe pas, il va glisser. Abbas qui va donc récupérer le cuir, profiter. Il est passé à Abbas. L'autre va siffler une faute en faveur de Defiance Academy. Faute sur Abbas. Et nous sommes pratiquement les derniers instants de cette rencontre. Defiance Academy mène 4 buts à 3. Et a donc un pied vers la finale. Une finale qui, n'est-ce pas, va mettre le terme de. Va sonner la fin de ce tournoi, de ce championnat challenge qui regroupait 52 clubs, hein, il faut le dire. Hein. Donc là, nous, ce championnat regroupait 52 clubs. Qui va donc passer au-dessus de la transversale du gardien de but Anfa Academy. Long dégagement, tête de Ouattara, Abbas et la frappe. Couffant en faveur de Anfa. Alors que nous abordons les derniers instants de cette rencontre et que Defiance Academy qui était mené au score 3 buts à 2 a pu renverser le score, c'est sans faute, c'est sans faute surtout. Sans faute, il ne faut pas le toucher, ça fait un corner. Il faut rester attentif. Je pense que le remplacement pour moi était un problème parce que c'est plutôt Namori que moi je voyais entrer à la place de Moussa. Il a un peu plus de d'as, il a un peu plus d'expérience, de technique et pouvait, n'est-ce pas, apporter en plus à cette équipe. Mais Mamadou Berthe a vu autrement. Et pour le moment, ça paye. Pour le moment, ça paye. Donc, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Allez, Magui, qui va essayer de grignoter quelques mètres, balle au pied. Magui, il faut écarter le jeu maintenant. Il faut écarter parce qu'il y a Diaby sur le côté, le centre de Diaby. Récupération. Diaby. Bonjour vers Kader. Et le ballon va sortir. L'arbitre vient de regarder son chrono. J'estime que nous sommes à quelques minutes de la fin de cette rencontre, peut-être les dernières. Et Silla, qui a donc, n'est-ce pas, mis un peu de pression sur le défenseur. Mettre à cette équipe de Anfa Academy d'obtenir une touche. Ça va repartir, il faut le presser. Il faut presser. Bien joué, ce Diallo. Joue
Diaby qui va prendre des vitesses son vis-à-vis forcément. Encore Diaby qui garde le ballon. C'est ça le jeu. Bah, il possède un peu à la provocation entre guillemets parce que il refuse de remettre le ballon au joueur de Amfa et le joueur qui s'énerve, qui le pousse une fois, deux fois, trois fois. Pendant ce temps, le temps passe, le match tire vers la fin. C'est donc la sortie de Diaby et Namori qui va faire son entrée pour les derniers instants de cette rencontre. Ça va faire un coup franc pour l'équipe de Amfa. Coup franc très long. Ouattara qui va mettre le ballon en touche pour Amfa Club Academy. Et ça va donc aller long dégagement. Et c'est là qui va garder ce ballon pour jouer vers Obaka Sidiki. Bien écarté sur le côté gauche avec Namori. Et ce ballon, le ballon va sortir. Et c'est terminé, c'est terminé. Victoire à l'arraché de GFM's Academy. 4 buts à 3. Ça fait donc, n'est-ce pas, une qualification pour la finale de GFM's Academy. Alors que l'arbitre se fait, n'est-ce pas, menacé par les joueurs de Amfa qui ne digèrent pas cette défaite. 4 buts à 3, fin du match. Et GFM's Academy a donc son ticket pour la finale de ce tournoi challenge. La finale se jouera donc entre GFM's Academy et Setat Academy. Hey, monsieur Petra, t'as vu là, vraiment. T'as vu là, ils font durer les gens. Mais vieux là, ils aiment faire chauffer le cœur des gens. Quoi. Rendez-vous donc en finale. Très très bientôt entre GFM's Academy et Academy Setat. Ça sera toute une autre rencontre. Félicitations aux deux équipes, félicitations à l'équipe de Amfa Academy qui a fait une belle opposition et qui a, n'est-ce pas, tenu dans l'adversité et même dans le match. Dans l'adversité, dans le match, la déception de la part des supporters de la déception est dans le camp des joueurs de Amfa. C'est terminé, on se retrouve donc très prochainement et la finale qui va donc opposer GFM's Academy à Setat Academy très prochainement. Les deux équipes qui se connaissent bien, qui étaient dans le même groupe et voilà, qui vont encore nous offrir un prochain match plein de qualité. Allez, portez-vous bien, restez sur les programmes de GFM's Academy et à très bientôt. GFM's TV.